Coucou tout le monde, bienvenue pour du Pickle Magico, j'espère que vous allez bien tranquillement. Du coup on se retrouve pour du Pickle, tranquillou, tranquillou, et bien sûr un peu plus long. Alors, concernant les chiffres que j'avais eu les 8 minutes, je crois, 8 minutes 18, c'est en fait ceux que j'avais eu à l'année, c'était pas ceux que j'avais eu ce mois-ci. Et j'ai regardé ce mois-ci, et j'en étais qu'à... Déjà mieux, c'est 14 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est des épisodes de... Pardon. De... J'étais en train de compter. 15-25 minutes. Comme ça, chacun pourra avoir sa dose qu'il préfère. Du coup, où est-ce que j'en étais. Oui, je ne sais plus ce que je voulais faire. Du coup, j'ai vu que y a besoin des arcanes Bello en fait pour ça. Je ne sais d'ailleurs pas si ça marche sur lui. D'ailleurs, en parlant de ça, je pourrais les inverser les cocos. Voilà, je pourrais les inverser et comme ça, je peux l'avoir direct sur lui. Hop. Je vais voir avec l'arcade Bello. Hop, si je peux le mettre là-dessus. Non, il va pas là-dessus. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça ne va pas sur l'alambic. Donc, maintenant, on en était ici. Alors normalement, j'ai toutes les jarres. Ouais, normalement j'ai tout ce qu'il faut. Alors il va y avoir sans doute de l'éclair, ce qui est tout à fait normal puisque c'est pas assez stable là-haut. Il manque en fait tout simplement des têtes, des fameuses têtes. Cependant, les têtes là, je ne sais pas si j'en ai éventuellement ici. Elles sont toujours là, eux ? Ah la vache. Ah oui, 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 il y a pas mal de bordel d'ailleurs. Alors, il y a ça que je peux prendre, il y a ça... Oh. Oh la vache. Oh. Eh ben, c'est plutôt puissant, hein, la vache. Je savais pas que ça pouvait se looter, ce genre de choses. Ah, nous avons des têtes. Donc, nous avons quand même des têtes, hein. Pas forcément énormes, mais on en a. C'est déjà pas mal. Après, j'ai pas tout scanné, ça se voit. Par contre, si elles pouvaient fermer leur gueule, eux, au-dessus, ça serait bien. Du coup, hop, allons chercher là-bas. Allons mettre nos deux têtes, hein, nos quatre têtes. C'est pas deux têtes, c'est quatre têtes. Comment on va les mettre? Tiens, on va les mettre comme ceci. Tac et tac. Ça peut être sympa, tiens, d'avoir des têtes de creeper d'un côté, têtes de zombies, et ainsi de suite. Du coup, ce qu'on va faire, on va lancer nos petits trucs là. Normalement, il n'y a pas d'éclair. Si, il y a de l'éclair. Ah bah très bien, tu commences déjà, toi. Ah, il est pas si stable. Faudrait que je mette en dessous des bougies. Je ne sais plus le rayon de l'action en hauteur du pépère. Je crois que c'est 13 blocs. Si c'est 13 blocs... Si c'est 13 blocs, je crois que j'ai un problème. D'ailleurs, il manque pas une shard. Mais un bleu... Eh, tu vas arrêter de me foutre des éclairs, toi. Non, normalement j'ai tout ce qu'il faut. Hein. La blanc, la rouge. Normalement c'est bon. Ah ouais. Bon bah cool, j'ai mal Silver Wood. Putain, 47 000 EMC. Bon, en fait, au niveau des EMC, c'est vrai que c'est assez chiant parce qu'il y a de l'EMC partout. Sauf que c'est dans le pack qui a Project E. Donc à mon avis, c'est fait exprès qu'on a des EMC sur tout. C'est assez fumé parce qu'il faut dire ce qu'il est, tu peux faire des baguettes de l'apocalypse, mais voilà, c'est le jeu. Dommage.
Oh, il en faut 50 surtout. Ouais, mais faut peut-être la Greatwood avant. Hein. J'ai pas la Greatwood. Non, j'ai pas mis la Greatwood. On va peut-être mettre la Greatwood avant. Voilà, celle-là. Ouais, pourtant, je l'avais déjà faite. Hein. Mais peut-être pas apprise, hein. C'est surtout ça. Hop. Avec le Tommy, avec ça, ça nous... Ah, capacité 25, donc ça sert absolument à rien que je le fasse comme ça. Je suis obligé comme ceci, mais est-ce que j'ai un point d'accès... Un point. Plutôt une capacité d'avoir au-dessus. En gold, gold caps, là j'ai 50. En gold caps. Ouais, j'ai un 100%, mais si je me mets l'armure entière, j'aurai en dessous de 50%. C'est pour ça qu'il va me falloir ceci. Et puis j'ai plus les lunettes, les Google. Non, Google Revealing, je les ai pas. Tac, tac, tac. Voilà, je suis à 51. Et Google Off. Les Google of Revealing, 5% en moins. Laser, thermomètre, ok. Thermomètre, 1 et 2, 2, 2. Du laser. Merde. Laser. 4. Normalement c'est 4, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, et 2 gold. Donc les deux gold ici, les lunettes là, et tout autour le laser. Et il va manquer de la quoi? Ah, c'est assez chiant ça. Hein. C'est vraiment chiant qu'il me manque de la quoi pour ça quoi. Bon bah ce que je vais faire. Ah bah non, de toute façon ça sert à rien ça. Je vais réactiver mon armure. On va aller buter quelques mobs, et en ayant ces mobs là justement, on peut avoir en fait tout ce qu'il nous faut en aspect. Oh, Herobrine. Attends, on va te taper avec. Non, ça m'a rechargé ou pas? Ou peut-être ça m'a rechargé l'autre. Ouais, c'est possible que ça me recharge l'autre en fait. Et ça, je ne veux pas. Comment faire? Faudrait que je monte en buter quelques mobs. YOLO, les mobs, bonjour! Qu'est-ce que vous avez tous à courir comme des fous? C'est fou, hein? Les mobs là, je les bouffe aussi, tiens. Eh, salut! Voilà, j'en ai 3 maintenant. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Ça, je les bouffe le temps d'aller chercher quelques petits mobs. D'ailleurs, j'en ai pas mal ici. Ah oui, j'allais me dire, il prend pas de dégâts ce con, mais si, si, il s'en prend. Un mouton ici. Un zombie par là. Avec un deuxième, normalement, pas très loin. Eh, salut! Voilà. Voilà. Ouais, et puis ça recharge plutôt bien. Normalement, j'ai pas tout ce qu'il me faut. Faudrait que j'arrive à recharger cette wand assez facilement. Alors, il y a une possibilité d'avoir justement ce genre de wand facilement à recharger. Cependant, c'est pour ça que j'ai rajouté un mode en particulier. Il permet tout simplement de faire en sorte que les certaines notes peuvent être crafter soi-même, ce qui rend en fait tout simplement le système plus avantageux. Cependant, derrière, ça demande énormément d'aspects, surtout pour lui. Et en plus, c'est du moderate, je crois, l'instabilité, donc ça peut être assez dangereux concernant tout ça. Ouais, par contre, c'est lent, hein. Voilà. Ah, bizarrement ça va plus vite.
Ah voilà, ça c'est bien finalement, ça permet d'accélérer, d'expulser facilement. Voilà. Dommage qu'on puisse pas avoir une capacité supérieure, ça par contre. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est le jeu. Hop. Ça expulse plus ou moins vite, hein. Il faut dire ce qui est. Ça expulse plus ou moins vite. Du coup, j'ai ma cocotte là, paf. Voilà. Ma Google for Revealing. Ensuite, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour débloquer justement la node en particulier? Me faut de l'orum. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, ça nous sert en fait à créer des nodes particulières. Ouais, fading en plus. Faintly. Ok. Alors vous voyez, c'est du dangereux, donc il va y avoir énormément d'éclairs. C'est un petit peu dommage, faut dire ce qui est. Vous voyez, on peut créer une note parfaite en fait, hein. Mais il faut 50, 150, 150, 150, 150. Et si on veut la faire en une seule, il nous faut justement ce qu'il y a dedans, l'ignis fois 20, vous le multipliez par 10 pour en avoir un aspect. Là c'est 15, donc vous en avez 150. 150 en dangereux, sachant que le truc il fait de l'éclair avec du moderate, alors je te dis pas en very height et dangereux. Surtout dangereux, hein, ça vous explose la tête à une vitesse grand V. Greatwood, salice et jarre. Ok. Greatwood, salice et jarre. Ça doit être le salice autour, le Greatwood. Ok, il me demande 20 vis. Maintenant, putain, t'es chiant de demander 20 vis, hein, pour faire ça surtout, quoi. Est-ce qu'en mettant justement l'armure complète. Ouais, 20 vis, ça fait 18 vis. Waouh, vive la différence. Autant remettre l'armure, hein, pour 20 vis, on s'en fout un peu. Va falloir que je fasse tout ça. Donc, du coup, je fais une ellipse et je reviens. En fait, j'ai une ultra grosse méthode, hein, pour farm en fait l'aspect sur mes petites nodes là. Tout simplement, bah, vous faites ça. Hein, comment? Vous activez ceci, vous tuez les mobs qui arrivent. Bon, bien sûr, quand ça veut. Mais dans le principal des cas, ça veut bien. Donc c'est plutôt pas mal en fait cette tour à mob multiverse on va dire. Hop, vous tuez tous les mobs qui se trouvent. Voilà. Et puis voilà. Oh, de l'iron. Ça c'est cool. Et du coup au niveau de la jarre, vous l'avez à fond. Salut la cocotte. Du coup, ma wand est complètement rechargée, donc c'est plutôt pas mal finalement. On va faire en sorte, tac. Waouh, j'ai obtenu de l'aspect dangereux. Je m'en fous parce que le MC est là pour ça. Hop là. Et je peux m'en avoir une deuxième, rien à foutre. Donc, ceci étant fait, maintenant. Pour obtenir une node parfaite, c'est-à-dire une node, comment on va appeler ça? Putain, ça c'est fou, ça marche pas ce genre de choses. La node parfaite, il faut avoir des aspects de chaque, les 6 principaux, et vous craftez votre chose. Donc, vous mettez votre node au milieu. Normalement, nous avons des fiales. Les fiales se trouvent quelque part. D'ailleurs, j'en ai fait des fioles ou pas? Je crois pas en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai pas de fioles, donc la clé, j'en ai. Voilà. Hop. Un. Toi, tu te rebouches. C'est pas comme ça les fioles. Putain, je m'en rappelle jamais comment on s'est fait ces connasses. Des fioles, comment on fait les fioles? Putain, je m'en rappelle pas. Comment on fait des fioles? Non plus.
Oui, moi je veux savoir ça. Comment on fait des fioles là? Ah bah c'est là. Ah, glass clay. Ok, du coup je me suis complètement gouré. C'est glass clay. Ok. Bah glass du coup. 3, 4, non. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement c'est 5 pour me faire le reste. Ah bah non, c'était 4. Hop. Donc j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Tac, j'en mets une. Ah d'accord, j'ai déjà prise. Vous voyez, par vraiment comment, par l'habitude, en fait, je me les crafte au lieu de les passer en mode comment? De les passer tout simplement en mode tac-tac. Mode craft. Donc, je prends ça. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut du terra. Merde, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. J'en ai assez. J'en ai assez, j'en ai pas assez. Et voilà, normalement, j'ai déjà mes 4. Je vais quand même vérifier ce que ça soit ça. J'ai du mal aujourd'hui. Ah non, il me faut pas la. Il me faut pas celle-là. Bizarre, je la compte toujours en aspect primaire, celle-là. Donc, voilà, de toute façon, j'ai mes 3. Donc, vous voyez, là, j'aurai. Hop. Donc il me faut des cannes à sucre, donc sugar, parce que ça a un bon système d'aspect ça. Ben, ceux-là, comme je les ai pas, bah allons-y. Hein. Achievement Gate, hein, on fait en sorte d'avoir tout ce qu'il faut. Alors, promis, prochain épisode, on va passer au mode golem, parce que c'est quand même nettement mieux. Faut dire ce qui est, c'est nettement mieux le golem. Et ça va justement nous permettre de faire tout ce qu'il nous faut. Alors lui, j'en ai pas besoin. De la quoi? De la quoi, c'est déjà bien, j'en ai besoin. Hop là. De la quoi? Pourquoi j'ai une jarre? Hop, la quoi, donc. Bah déjà la quoi, je peux la mettre là maintenant. Donc hop, j'en ai récupéré une. J'ai de l'air maintenant. L'air, j'en ai besoin. J'en prends une. Là. Ensuite, il me manque la perdition. La perdition se trouve tout simplement dans la cobble. Je vais en utiliser que 16. Ça sert absolument rien d'en mettre beaucoup plus. Aliénis, on s'en fout. Alors oui, là par contre le golem serait vraiment d'une grande utilité, cependant j'ai besoin de l'altar pour le faire. Et du coup c'est un petit peu emmerdant. Aliénis, j'en avais pas une déjà. Alors là c'est l'avantage et l'inconvénient en fait. C'est quand on a déjà, bah, c'est bien beau, on peut se les faire. Mais voilà, le golem en fait il peut chercher vraiment tout. Voilà. J'ai de l'alienis, je suis content. Maintenant, il me faut de l'air, me faut de l'aqua. Hop. Ouais, mais en même temps, il me faut la cobble. Donc du coup, hop. On va accélérer le processus. Donc de l'air, j'ai ce qu'il faut. De l'aqua, j'ai ce qu'il faut aussi. De l'herba, l'herba je vais le rajouter parce que c'est quand même bien d'en avoir une petite en plus. J'ai pas assez d'inventaire moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai jamais assez d'inventaire. Voilà, 64 d'herba, c'est cool. Du terra. Pourquoi le terra il veut pas? Ah, parce que tout simplement il va y avoir un petit reste d'herba. Non, tu veux pas? D'accord, donc tu veux pas, tu veux tout simplement ton perdition. D'ailleurs, qui se trouve comme ça, donc on peut la prendre. Et voilà. Et ça nous fait une node parfaite. Bon, bien sûr, parfaite dans le sens là, ça veut dire que après. Il va falloir faire en sorte de la mettre comme ceci, la node,
et de remplir en fait 150 R, 150 aqua, ignis ordo perditio machin. Ce qui va être assez long, il faut quand même vous le dire. Faut dire ce qui est, ça va être assez long. Donc du coup, on va essayer de choper des têtes. Hein. Il faut dire ce qui est, il faut rendre l'altar très stable. Hein. C'est quelque chose qui est assez chiant à faire, mais une fois qu'il est fait, on peut faire des crafts assez sublimes. Donc du coup, la note, sachant que je peux pas la faire dans l'immédiat. Cette note-là, je peux pas du tout la faire dans l'immédiat. Ce qu'on va faire. Déjà, on va mettre l'armure comme ça. Voilà, c'est cool. Tac et tac. Voilà. La canne à sucre, on la fout là. On la fout là parce qu'on en a un peu rien à F. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voulais faire quelque chose d'autre. Oui. Hop, ça je le récupère. Le golem. On va faire le golem ensemble. Le golem qui se trouve là. Alors, chaque golem est différent. Il a son radius également. Lui, il est très rapide. Mais par contre, son déplacement est de 1. Donc ça sert à absolument rien. Donc il nous faut du motus. Motus. Voilà. Hop, wooden. Là, on passe à du 4. On n'a qu'une seule upgrade et moyennement. Bon. Moi, pour moi, c'est pas suffisant, celui-là. Il m'en faut beaucoup, 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 beaucoup plus. Voilà. L'atelier est une carry limite de 8, une upgrade de 1, speed moyennement, repair slow, je m'en fous, j'aime pas celui-là. On passe au stone. Le stone c'est quoi? Above moyennement, moyennement, très lent, 16, ça commence à être bien. Speed très lent, upgrade 1. Bon, ok. L'iron, ah, ça commence à être très bon. Durabilité haute, strength haute, very slow. Très lent, normal, c'est du fer. 32, donc c'est assez vaste quand même. Upgrade 1, bon, ça commence à être bon. Le thomium, par contre, c'est celui qui m'intéresse le plus. Pourquoi? Parce qu'il est very high en durabilité. Il est très grand en... Bah, il est grand en strength. Lent repair, ça je m'en fous. Sa quarry limitée de 32. Sa speed est lente, mais on va pouvoir l'upgrade. Et surtout, il y a deux upgrades. Et ça, c'est important. Du coup, il nous faut du thomium. Ce thomium, du coup. Le thomium, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, du thomium. Hop. Voilà, thomium bloc. Voilà, j'ai mon thomium. Je le remets en mode, je l'ai appris. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour le golem? On va passer en golem comme ça. Le golem. Oh. Craft of golem. Lol. Oh. Oh, c'est cool. Un golem de base, tu mets la version avancée. Ah, creative only. Oh, merde. Pourquoi creative mode only? Ok. Je sais pas, il me l'indique comme quoi je peux le faire, mais bon, c'est chelou. Il nous faut... de l'humanus, du motus et du spiritus. Motus, humanus. Le humanus, je crois qu'il y en a dans la Rotten Flesh. Je ne suis pas sûr, je crois qu'il y en a dedans. Humanus, il y en a. Donc, bah, 16, ça suffira. Ah oui, en plus, c'est la sous forme liquide. Ah, ça me pète le fion, ça, c'est sous forme liquide. Donc c'est là-dedans que ça va se passer. Soul Sand, je suis pas si sûr que ça. Spiritus, ouais, mais il y a beaucoup trop d'aspects en Spiritus. Qu'est-ce qui peut y être en Spiritus? Déjà, Humanus. Ouais, le type de vache, c'est cool. Motus, des pistons, des trappes d'or, ouais, trappes d'or si tu veux, et le spiritus, c'est déjà un petit peu plus vaste, mais c'est assez chiant. Soul Sand,
Eh ben, on va passer mode Soulsense, trappe. Déjà, on va voir si la trappe d'or est liée. Non. Ok. Hop. Normalement, c'est comme ça. Ouais. Trappe d'or. Sachant que pour le tomium, il m'en faut 8. Donc, il m'en faut 8 comme ça. Ça va faire énormément d'aspects, hein, il faut dire ce qui est. Tac, 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 Motus et Soulsen. Ça va énormément être pollué. Surtout tout ça, en fait. Ça rajoute tellement d'aspects, c'est monstrueux. Mais bon, on va dire que c'est le bienfait de cette vidéo. Il faut quand même que ça soit fun. Donc. Oui. Bon, après vous le remplacez, YOLO. Et vous avez votre Tomium. Voilà, Tomium Golem. Alors, le Tomium Golem, je vais évidemment l'apprendre, ce qui est tout à fait normal. Sauf que... si, dites-moi si vous voulez que j'enlève les EMC sur Tomcraft quand je les fais. C'est-à-dire que je les mets pas dans la tablette. Ceux qui sont appris dans la tablette, je peux les enlever ici, par exemple. Regardez, hop, j'ai enlevé. Tomium, bah on va plutôt taper golem. Voilà, là je l'ai appris, là je l'ai supprimé. Vous voyez, on peut vraiment en faire deux. Hop, on va en prendre deux, YOLO, comme ça c'est fait. Le golem, maintenant qu'il est fait, le pépère, eh bah il faut bien faire en sorte de faire shift clic et là pouf, bah, plutôt clic tout court. Donc là vous voyez ses cœurs, bah il est à la moitié, il est en train de se régénérer petit à petit. Lui pour l'instant il est en mode veille là, il est... je dors. Donc du coup ce qu'on va faire, on va l'animer. Pour cela il faut du quartz et des sticks. Quartz. Et un stick. Un stick et stick et stick. Ah oui. Oula. Bon, religion, du coup, suite à deux crashs complets du pack, hein, ça m'a fermé direct, ça m'a envoyé un crash report. En fait, tout simplement, le truc que je veux faire là, qui est au niveau des golems, ceci, tout simplement, ça, vous voyez, il est nul. Pourquoi il est nul? En fait, il interfère avec le mode X-Relicary. Qui est un mode voilà, qui est ce mode là en fait. Je ne sais pas à quoi il sert, à quoi il sert tout court, mais voilà, en fait il interfère complètement. Exorcisme carrément, what the fuck, what, oh il y a des guns, non il y a des guns, ah bah c'est con. Bah c'est à cause de ce mode-là en fait qui crache. Tout simplement, il interfère au niveau du GUI, du screen entier. Oh putain, la saturation de dingue! Oh. What the fuck? Moi aussi, je veux ce genre de bouffe. Ça serait cool, ce genre de fou, de bouffe. Moi aussi, je veux ce genre de bouffe. Je veux ce genre de bouffe, de bouffe, de bouffe. Donc voilà, en tout cas, ça crache à cause de ça. J'en suis désolé, je ne peux absolument pas faire les golems dans cette version. C'est vraiment dommage. Ah oui, de toute façon, c'était avec la cocotte qu'il fallait que je le fasse. Donc du coup, bah, vraiment désolé, les golems, ça ne sera pas possible dans cette version. Dommage parce que j'aime beaucoup les golems, mais bon, tant pis. C'est con, franchement c'est con. J'aurais voulu faire les golems pour vous faire plaisir. Malheureusement, ils crachent en boucle. Donc du coup, bah, je ne pourrais malheureusement pas du tout le faire. Ça me fait chier, sérieusement, ça me fait vraiment chier. Moi qui pensais le faire pour vous, bah, je l'ai dans le fion. Malheureusement. Vous voyez, on peut faire les golems, les plus gros golems en fait. Je voulais les faire pour vous. Mais bon. Va falloir faire en sorte que bah ça soit raté.
Dommage parce que c'est grâce à ça que j'aurais pu faire des gros golems de la mort qui tue, ce genre de choses, mais comment? Mais vraiment faire des gros golems très sympas. Ah d'ailleurs il y en a un qui manque, c'est lui. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu vraiment faire ce que je voulais. Désolé les gens. Mais soit j'enlève le mode et ça peut foutre le sbeul avec justement le mode de quête. Parce que je sais pas s'il y a besoin de X-Rally, tiens, en parlant de ça, je vais peut-être aller voir. Ouais, il y a besoin du mode. Ah, fait chier. Ah, dommage. Et franchement, vraiment dommage que je ne puisse pas du tout le faire. Ça aurait été vraiment cool, mais non, là il veut pas. C'est malheureusement il veut pas. C'est vraiment con. Oh. On peut avoir une soupe. On pouvait vraiment faire quelque chose de bien sympa avec les golems. Malheureusement, ça sera pas possible. Donc du coup, vu que ça c'est con. Comment je peux faire? Ce que je peux faire, ce que je peux vraiment faire, c'est que il va y avoir une version applied du mode. Ça va remplacer en fait les comment? C'est ça qu'il me faut. Ça va me remplacer en fait le golem, mais je vais tout mettre dans applied et tout sera directement fait avec applied. C'est pour ça que j'attends aussi que les fameuses quêtes d'applied se déverrouillent parce que je ne sais pas quand est-ce que la cocotte va se déverrouiller ici. Est-ce qu'il faut que je fasse tout thermal en entier, ce qui me casserait un peu les bonbons, pour que ça débloque Applied, je ne sais pas. Mais bon, voilà, tant pis. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. On n'aura pas fait énormément grand-chose, mais bon, suite à ce problème de golem, ça me fait un peu chier en fait. Je le redis encore, mais voilà. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais bien voulu faire quelque chose, mais. Malheureusement, ça ne veut pas. Sur ce, bisous tout le monde. Et puis, du coup, à la prochaine. Ah, peut-être qu'on va faire un petit truc. Tiens, pour terminer avec vous. Pour terminer, on va se faire ça. Ça pourrait être très sympa de le faire. Ouais, mais il faut 54 vis. Mais 54 vis, je vais les trouver où, moi, les 54 vis? Mais avec l'armure complète, j'ai moins. J'ai pas moins quoi, mais j'ai. Ah si, j'ai 49. Ouais, il faut que je la remplisse, hein. Il faut que je la remplisse entièrement et puis comment? Bon, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va la remplir complètement, celle-là. D'ailleurs, ça. Ça, je vais lui virer parce que c'est bien beau tout ça, mais bon, ça prend tellement de place inutilement. Vas-y, faites tomber les cocottes. Hein. Pof, pof. On va se virer tout ça, hein. De toute façon, on vire tout. Hein. Manus gun, machin, hop. Comme ça, bah, il y a largement de la place pour en remplir tout le reste. Ouais, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier, mais bon. C'est un petit peu la vie du pack quand il était buggé. J'aurais dû le mettre à jour au début en fait. J'avais la flemme de mettre à jour. Mais valait mieux que je le mette. Ça aurait évité peut-être ce genre de problème. Ah putain. Va te coucher toi. Il m'a fait péter une dalle. La dalle. Non. Non, la dalle. C'est pour la mettre là surtout. Oui. Je veux plein d'essence pour remplir ma baguette. Ah d'accord, il est mort.
Et ma baguette est bientôt full. Je déteste les petits qui courent en mode oui. Eh viens toi. Oui, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Oh mais j'en ai marre de ces petits trucs. De... Bah tiens, t'es mort. Hop, va te faire mettre. Du coup, bah voilà, c'est fini. Tac. On va faire la wand. La petite wand là. Tac. 54, c'est pas suffisant. Voilà, 49,4. Et voilà, on a une grosse tomium. Comment? Gold. Une grosse tomium entière. Oh, ça n'a pas de MC ça. Il y en a certaines qui ont des MC, il y en a d'autres qui n'ont pas. C'est buggé, c'est très buggé, mais c'est bon, c'est pas très grave, hein, au pire. Maintenant, on l'a fait, donc du coup, ah bon, on est à 92%, donc à mon avis, celle-là, c'est une 100%, ça va tout déverrouiller. Mais voilà, au moins, on l'aura faite, on sera content. Waouh, gros sac, it's beautiful. Hop là. Merde, le tomium, je l'ai... Tomomicon. Ouais, tomometer. Bon, bah voilà, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais aller rechercher ma grosse baguette, là. Et du coup, bah, je vous dis à une prochaine. L'épisode, ce fut long, mais intéressant. Voilà. Désolé pour les galèmes. Et puis, bah... à la prochaine. Hein. Et ciao.